Ce lundi 4 septembre 2023, une fausse information a circulé et elle concerne Renault. Selon les dires de Pascal Pro sur Europe 1, le chanteur et sa compagne Cerise attendraient un enfant. Faux. Et si est-il par le biais de son avocat que Renault a démenti. Renault est très fâché et il a de quoi l'être. Depuis ce lundi 4 septembre 2023, une information circule à son sujet et elle ne le concerne pas seulement. Alors qu'il animait un nouveau numéro de son émission Pascal Pro et vous sur Europe 1 ce matin, Pascal Pro avait notamment pour invité Hugo Fra. Une intervention en direct à la radio du chanteur de 94 ans en lien avec son mariage tout récent qui a eu lieu samedi dernier à Marly-le-Roi, Yvelines. Hugo Fra est officiellement marié à Muriel, pour son plus grand bonheur. Pascal Pro n'a pas fait que féliciter son interlocuteur mais il a aussi avancé que l'un des invités du mariage allait prochainement devenir papa, en la personne de Renaud. Ce n'est pas non plus trahir un secret de dire que j'ai l'impression que la compagne de Renaud attend un heureux événement, a déclaré Pascal Pro en direct, remarque sur laquelle Hugo Fra a rapidement réagi, sûrement sans vraiment comprendre de quoi il s'agissait à ce moment-là. Alors puisque vous le savez, alors oui, a-t-il répondu. La réaction de Renaud ne s'est pas fait attendre. Non, il n'attend pas d'heureux événements avec sa compagne Cerise. Si est par le biais d'un communiqué de son avocat transmis à Jean-François Guyot, journaliste à l'AFP, que Renaud a démenti la supposée grossesse de sa compagne. Monsieur Renaud Séchant et sa compagne Cerise démentent l'information selon laquelle elle serait enceinte ainsi que cela a été affirmé ce matin par Messieurs Pro et Offray dans le cadre de l'émission diffusée sur Europe 1, est-il indiqué dans le communiqué de M. Stéphane Loisy, avocat de Renaud. Un peu plus tôt dans la soirée, si est-il Lolita Séchant, fille aînée de Renaud née de son amour passé pour Dominique Chilichini, qui avait démenti la future paternité de son père. L'info est fausse. Hugo Fraise a sévi. Si est-il quand même mieux une bonne blague bien orthographiée, avait-elle écrit dans sa story Instagram, voir le diaporama. Si cela fait bien 2 ans que Renaud a retrouvé l'amour auprès de Christine, alias Cerise, 42 ans, et qu'ils se sont installés en 2022 dans un ancien village de pêcheurs du nom de Trentemoux, en Loire-Atlantique, le couple n'attend donc pas d'heureux événements. Just know.